Alors, bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Lolita. Bonjour. Et donc, bienvenue pour cette nouvelle session des Pépites Internationales. Alors, on va commencer par saluer évidemment tous les participants qu'on ne voit pas encore et à qui on va demander d'accepter une invitation pour nous rejoindre sur scène afin qu'on puisse nous aussi voir un peu tous les gens qui nous écoutent. Et puis ensuite, on commencera la session à proprement parler si cela vous convient. Très bien. On a plusieurs personnes qu'on vient d'inviter. Donc, je vois Myriam, Dina, Eugénie, bienvenue. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bienvenue à toute la classe d'Anna. On voit aussi. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, alors. Donc, nous, on peut tous vous entendre. Donc, Anna, Eugénie, Myriam, si. Simplement, juste pour, avant de commencer, peut-être juste nous dire d'où vous êtes. Comme ça, on aura une petite info. Anna, peut-être. Oui, bonjour. Vous nous entendez? Oui, très bien. Donc, ben, nous sommes de Budapest, à Budapest, de Hongrie. Okay. Voilà, donc c'est une classe qui apprend le français depuis 2 ans, donc c'est leur 2e année. Et ils sont entre 15 et 16 ans à peu près. Voilà, et donc c'est une classe de la section bilingue de notre lycée. Et ils adorent la culture française. D'accord, super. Merci Anna, on va juste après couper les micros au fur et à mesure le temps de la session. Merci beaucoup, bienvenue. Eugénie, vous nous écoutez d'où? Alors justement, je suis aussi de Budapest. D'accord. C'est pour ça que je suis là. Je pense que je ne vais pas vous embêter toute la durée de la rencontre, mais voilà, j'ai échangé avec Anna. D'accord. Super, bah, merci beaucoup. Et alors Myriam, si vous nous entendez. Bonjour Myriam. Bonjour monsieur. Ça fonctionne, mais pas le son. Alors. Alors Myriam, vous nous écoutez d'où? Vous nous regardez plutôt? Collège Saint-Vincent de Paul. D'accord. Bonne semaine. D'accord. Ok. On a les classes de grand primaire, quatrième, cinquième primaire. CM1 et CM2. D'accord, CM1, CM2. Ok. Bon. Bah, très bien, du coup. Du coup, merci d'être là. On va couper les micros, puis on va commencer la présentation, si ça convient à tout le monde. Alors, bienvenue donc à tous pour cette nouvelle session des Pépites Internationales où on est ravis de pouvoir discuter du livre « Caché ou pas, j'arrive » qui a été donc écrit et dessiné par Camille Jourdi et Lolita Séchant que nous sommes ravis d'accueillir ici aujourd'hui et donc à qui je vais très rapidement laisser la parole pour que chacune d'entre elles puisse d'abord dans un premier temps peut-être nous expliquer un peu leur parcours personnel et comment on en arrive à devenir autrice, illustratrice aujourd'hui. Camille, peut-être vous voulez démarrer? Oui, bon, pourquoi pas. Comme vous voulez. Hein. Alors moi, ça fait 15 ans maintenant que je travaille comme auteure illustratrice. C'est-à-dire que, j'explique pour les plus petits, donc mon travail, c'est d'inventer des histoires et de les dessiner. Alors parfois, je fais les deux, j'invente l'histoire et je dessine. Parfois, je fais que les dessins et c'est quelqu'un d'autre qui invente l'histoire. Et puis là, avec Lolita, on a travaillé vraiment toutes les deux. Pour faire ce métier, bah, j'ai fait des études dans 2 écoles d'art, une école de beaux-arts et une école qui apprenait plus à faire l'illustration à la bande dessinée. Mais avant ça, de toute façon, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis que je suis toute petite, j'aime dessiner. En fait, on me demande souvent quand est-ce que j'ai commencé à dessiner. Mais c'est juste que je n'ai pas arrêté. En fait, j'ai toujours dessiné comme presque tous les enfants. Sauf que moi, j'ai continué. Et puis même encore maintenant, je dessine. Et c'est comme ça que j'aime raconter ce que j'ai à raconter. Avec le dessin et avec les mots. Voilà. Je sais pas si ça suffit. Si, bah, pour l'instant, on y reviendra si on a des questions. Ouais. Lolita voulait nous présenter un peu votre parcours à vous. Bonjour, moi c'est un parcours, j'ai pas du tout eu de formation en dessin, j'ai fait une école d'écriture et de cinéma
Et en fait, quand je suis sortie d'école de cinéma, je voulais réaliser des films, donc un peu comme ce que dit Camille, c'est-à-dire j'avais envie de raconter des histoires en images, mais animées. Et en fait, au moment où j'ai commencé à me lancer dans l'idée de faire un scénario de film de cinéma, j'ai commencé une histoire et je me suis rendu compte que l'histoire que je voulais raconter, elle est très compliquée à raconter au cinéma parce que le cinéma, c'est une industrie qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, qui a beaucoup de personnes qui se mêlent de ce qu'on raconte et que la liberté peut-être de l'artiste et de l'auteur, elle est moins grande. Il y a plus de gens qui se mêlent du scénario, de tout ça. Et en fait, j'avais cette histoire que je voulais raconter sur une petite fille que j'ai rencontrée au Vietnam et que j'ai vue pendant 14 ans, 17 ans même. Et je voulais parler de ça et je me suis dit, bah, comme j'aime bien dessiner, mais je ne sais pas dessiner, je n'ai pas appris, eh bien, je vais la raconter en BD. Comme ça, personne ne me dira, tu n'auras pas le droit de dire ça, tu n'as pas assez d'argent pour faire ça. Mais comme je ne savais pas dessiner, j'ai mis 5 ans. Donc, j'ai raconté cette histoire. Ça, c'était 300 pages de bande dessinée. Et ça m'a pris 5 ans et je suis devenue autrice parce que je voulais raconter une histoire. Très bien. Et 5 ans, finalement, ce n'est pas si long hein, pour 300 non. pages. Ben, mais ce que je me dis, c'est que c'est un métier quand même très lent et solitaire et que, effectivement, les romans graphiques comme ça, de 300 pages, 200 pages, c'est un peu la moyenne. Je sais que Camille, c'est les formats qu'elle fait aussi dans ses BD pour adultes et que c'est peut-être pas 5 ans, mais c'est quand même au moins 2 ans. Bah, même plus, non, plus. Ah oui. Ah oui, ça peut être vraiment plus sur un projet, en fait. Non, mais ça, c'est compliqué de dire combien de temps ça met parce qu'en fait, on ne fait pas que ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je vais chercher les idées. C'est difficile d'écrire une histoire et on l'écrit pas d'un seul coup. On note plein d'idées dans plein de carnets. J'ai plein de carnets où je note plein de choses. Et puis, des fois, pendant des années, pendant très longtemps et au bout d'un moment, on se dit « Allez, on va la faire ». Et puis, là, il faut le temps d'écrire l'histoire et puis le temps de faire les dessins. Parce que une bande. Alors, c'est vrai que je n'ai pas montré tout à l'heure, je vais peut-être en profiter pour montrer ce que je fais aux enfants. Voilà, par exemple, j'ai fait une bande dessinée pour les petits, comme ça, mais elle est grosse, il y a beaucoup de pages, il y a 150 pages. Alors, pour dessiner une page comme ça, c'est long parce qu'il me faut peut-être 2 ou 3 jours pour dessiner une page comme ça. Donc, pour faire un livre de 150 pages, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours, quoi. Donc, rien que pour les dessiner, c'est long. Voilà. Alors après, des fois, je fais des plus petits livres. Hein. Alors, ils sont plus grands en taille, mais il y a moins de pages. Voilà. Bon, du coup, je montre un peu les différents albums. Donc, il y a des petits livres qui prennent moins longtemps. Ça va me prendre peut-être 1 ou 2 mois, puis d'autres qui me prennent plusieurs années. Et alors du coup, comment parce que là, enfin, on se rend compte que c'est quand même difficile de d'écrire un livre, enfin, d'avoir une idée ou de la, on peut la porter sur plusieurs années. Quand on le fait à deux, comme vous l'avez fait, est-ce que c'est plus simple, plus difficile du coup? Vous êtes rencontrés. Comment ça se passe? Vous vous rencontrez, vous entendez parler l'une de l'autre, vous avez envie de travailler ensemble ou alors c'est le hasard? Comment on se rencontre et comment on a envie de partager un travail et de faire une histoire ensemble? Alors, c'est l'éditeur, là, pour le coup, qui nous a présenté. Alors, je ne sais pas si pour les enfants, c'est facile, s'ils comprennent bien ce que c'est un éditeur. Donc, l'éditeur, c'est celui qui permet que le livre existe, qui s'occupe de faire fabriquer le livre et qui nous aide à le faire fabriquer. Et Lolita et moi, on a le même éditeur, c'est aussi un ami, et il nous connaissait toutes les deux, et il a eu l'idée de nous faire écrire et dessiner un livre à toutes les deux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc en fait, on est presque un peu trois sur le livre. Il y a Lolita, il y a moi, et il y a Thomas, qui nous a donné l'idée de départ. Donc moi, pour répondre à la question, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Pour moi, je pense que ça a été plutôt plus facile, je dirais. Moi, je n'avais jamais fait ça. En autodidacte, comme j'ai appris à travailler toute seule dans mon coin avec mes histoires à moi, j'avais jamais collaboré avec personne. Et c'est vrai que je connaissais le travail de Camille depuis des années et que j'adorais ce qu'elle faisait. C'était vraiment tout ce que j'aime en bande dessinée. Et quand j'ai commencé à travailler avec cet éditeur, Camille travaillait déjà avec lui depuis des années. Et quand on a commencé le projet de cette famille de petites taupes, des bilobas, dès le début, il m'a dit « il faudra faire des rencontres ». Il faudra que ton trait, ton dessin à toi, aille rencontrer le trait de quelqu'un d'autre, le dessin. Et tout de suite, il a pensé à Camille, parce que je pense qu'il nous connaît bien et qu'il sait qu'on a des points communs, des choses comme ça. Et il a voulu nous faire travailler. Il a eu l'idée du sujet, il a eu l'idée du cache-cache,
Et même ce qu'on se dit avec Camille souvent, c'est que parfois Thomas, l'éditeur, il a l'idée du livre avant même que nous-mêmes on le comprenne. Il sait ce qu'il veut faire en fait. Et nous, on est là et on le suit et on réfléchit pas trop en fait. C'est ce qui s'est passé sur ce livre. En plus, on l'a fait en confinement. Donc, on était chez nous en confinement et en fait, on s'est vu qu'une seule fois dans un café à Paris avec l'éditeur. Il nous a donné le sujet. On a écrit très rapidement, comme ça, chaque page du livre en disant là, il va se passer ça, ça, ça. Camille a fait un storyboard, donc des petits dessins très simples, sans détails, juste pour montrer l'action. Et après, on est reparti chez nous, Camille à Lyon et moi à Paris, et on s'est retrouvés confinés. Et on s'est dit, on en profite. Et on a commencé à s'envoyer voilà, des planches. Camille faisait un premier dessin très rapide. Moi, je le recevais par mon ordinateur. Je prenais son dessin et je redessinais toute l'image avec plein de détails au crayon, en cachant des petites blagues pour Camille, des petits personnages, des petits animaux qui faisaient des trucs qu'elle n'avait pas mis dans son premier dessin. Je lui envoyais. Elle recevait le dessin par moi au crayon. Et là, elle reprenait tout à la couleur. Elle refaisait à sa manière. Elle rajoutait des détails qui me répondaient, qui répondaient à mes petits clins d'œil, mes petites blagues. Et après, moi, elle me réenvoyait son image en couleur. Et à partir de là, je prenais nos deux petits personnages, Nook et Bartok, et je les remettais dans l'image, en noir et blanc, sur sa couleur à elle. Oui, parce que ce qui est un peu particulier, c'est que Lolita, elle fait des dessins en noir et blanc, et moi, des dessins en couleur. Lolita, elle a toujours fait des livres, je ne sais pas si... J'en ai un là. Bah, par exemple, le premier Bilobas... Voilà, c'est que du noir et blanc en fait, je sais pas, comme j'ai appris à dessiner toute seule dans mon coin sans école, souvent à l'école on apprend des techniques différentes, on apprend à utiliser les pinceaux, la couleur, les matériaux différents. Quand on apprend tout seul, souvent on se limite à un seul outil pour essayer déjà de maîtriser celui-là. Donc moi, voilà, je travaille avec des tout petits stylos tout fins et à partir de là, je ne maîtrise pas du tout la couleur. Et ce qui est l'inverse de Camille, qui a une... Et la rencontre, du coup, c'était amusant de mélanger les deux. Mais c'est aussi que ça te plaît de dessiner en noir et blanc, je crois, parce que moi-même, à l'école, même, j'arrivais pas à dessiner en noir et blanc. Ma façon de dessiner, c'est la couleur. Et quand il fallait faire du noir et blanc, j'y arrivais pas. J'aime trop la couleur en fait. Donc voilà, moi tous mes livres c'est que de la peinture avec des, c'est tout l'inverse. À la fois c'est rigolo parce que nos dessins à la fois ils se ressemblent. Il y a des personnages qui se ressemblent, il y a des histoires qui se ressemblent, mais en même temps moi il y a plein de couleurs. Et c'est tout en noir et blanc. Et c'est l'éditeur, c'est pour ça. Ouais. Au début on savait pas trop comment ça pourrait être parce que l'éditeur il a dit si ce serait rigolo que vous fassiez un livre ensemble. Et puis, il pourrait y avoir un des personnages de Lolita, la petite taupe Bartok, qui invite à jouer chez lui un des personnages du livre de Camille, qui est Nook, qui est la petite fille Nook. Et donc, on s'est amusé à imaginer que Bartok écrivait une petite lettre à sa copine Nook en lui disant « Est-ce que tu veux venir jouer chez moi à cache-cache ?» Et comme ça, il y a les deux livres qui se rencontrent. Et on a dit « Camille, moi je ferai les décors en couleur, et puis les personnages, ce sera Lolita qui les fera, mais ils seront en noir et blanc. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que ça donne ce rendu un peu particulier. Et ce qui est amusant, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que les personnages sont en noir et blanc sur le décor. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez. C'est super d'avoir l'explication comme ça, parce que du coup, on n'a pas. En fait, je trouve que du coup, il y a quand même un côté où ça marche tellement bien qu'en fait, on n'est pas à se dire justement, il y a un style en noir et blanc, un style en couleur. On regarde et on prend et ça marche super bien du coup. Enfin, là, je trouve que je suis assez surpris de découvrir cette genèse via l'éditeur. Et je trouve que pour le coup, vous avez certainement la chance d'avoir un éditeur quand même là qui vous connaît bien et qui a une idée assez brillante en fait, parce que le résultat est quand même super. C'est assez incroyable. C'est vrai que ça marche bien et jusqu'au bout, je crois, avec Lolita, on avait un doute sur le fait que ça marchait bien parce que moi, j'ai fait mes décors d'un côté et Lolita, ses personnages de l'autre côté. Et après, on est venu les superposer, les coller avec l'ordinateur. D'accord. Et jusqu'au dernier moment, on s'est dit, est-ce que vraiment ça fonctionne ? L'éditeur avait l'air assez confiant. Nous,
on n'était pas complètement sûr. Et alors du coup, ça, tout à l'heure, Lolita, on nous disait qu'en fait, elle a commencé à dessiner parce qu'elle avait des histoires à raconter. Là, en l'occurrence, c'est l'éditeur qui vous suggère une histoire. Et du coup, comment vous dites, bah ouais, en fait, cette histoire, c'est vrai que j'aimerais bien aussi la raconter. Enfin, je sais pas si je suis très clair dans ma question, mais l'histoire venant pas forcément de vous-même, vous vous l'appropriez comment et comment vous la partagez, la création de cette histoire ensuite entre vous? Alors, je vois plus Lolita, mais... Non, je crois qu'elle a eu un petit souci de connexion, mais elle revient. J'ai un problème de micro, hein. C'est pour ça que j'essaye de déconnecter pour que le micro marche. Mais... Ah, il se remet à marcher quand tu reviens, pardon, je tutoie. mais du coup, oui, bah du coup, si tu nous entends, si tu nous entends plus, fais-nous signe, comme ça, en fait, on peut aussi écrire les questions dans le chat, ça sera un peu... Nous, on t'entend très bien, on te voit très bien. Alors, je n'entends rien. Ça bug beaucoup, mais si... Peut-être que ça va se remettre en place comme tout à l'heure, mais... Alors. Bon, sinon, en attendant, je réponds à cette question. Voilà. Ouais. L'éditeur, en fait, il nous a donné l'idée de départ, c'est-à-dire juste un cache-cache, de dire c'est Nook qui va se cacher. Et il y a plein d'endroits de cachette. Elle cherche une cachette, mais elle ne trouve pas. Et ensuite, Bartok, il va repasser dans les mêmes endroits pour jusqu'à ce qu'il va finir par la trouver. Mais ensuite, il restait plein de choses à écrire là-dedans, c'est-à-dire toutes les blagues, tous les endroits, tous les petits personnages qu'il rencontre. Et en fait, on s'est retrouvés dans un café pour en discuter. On lui a dit, on s'est juste dit, combien d'endroits tu t'aimerais faire? Alors, on s'est dit, ça peut commencer dans le salon, puis après, ça ira dans un jardin, puis après, il y aura une cabane, puis après, il y aura une forêt, puis après... Alors, du coup, je crois qu'on a perdu également Camille. Et on vient de perdre aussi Lolita. Alors, j'en profite, moi, pour préciser à toutes les... On ne voit plus Camille. Non, on ne voit plus Camille. Est-ce que tu m'entends, du coup? Tu m'entends, Lolita? C'est bon. Ah oui, je t'entends. Ok. Simplement, du coup, je profitais de votre absence. J'allais dire aux écoles qu'on allait les faire monter sur scène tout à l'heure pour qu'elles puissent vous poser des questions en direct. Donc, dès qu'on aura fini un peu les échanges. Et puis, puisque vous êtes revenus, je vous rends la parole. Donc, Lolita, si tu m'entends, ce que je disais à Camille, c'était comment vous vous êtes approprié cette histoire, alors que d'habitude, on a plutôt tendance à vouloir raconter des histoires. Mais du coup, je ne sais pas, Camille, si tu veux reprendre le fil. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Je disais que l'éditeur nous a donné l'histoire, c'était simplement une idée de cache-cache avec nous qui part se cacher, qui ne trouve pas de cachette, et ensuite Bartok reparcourt les mêmes lieux que nous pour essayer de voir où elle est. Donc ça, c'est juste une idée. Après, il nous restait à trouver tous les petits détails, toutes les blagues à mettre là-dedans, c'est-à-dire qu'on a décidé, on s'est retrouvé une fois au café pour discuter, on a décidé des lieux, en fait des cachettes, on a dit eh ben ça va commencer dans le salon, puis ils iront dans le jardin, il y a sur un lac, dans la forêt, et après on est chez nous et on a essayé de trouver tous les petits détails, tous les petits dialogues, parce que dans le livre, je pense que vous avez remarqué, on peut suivre Nook et Bartok, mais il se passe plein de choses derrière eux. On aperçoit un renard et un bonhomme de pain d'épices, on aperçoit des petits insectes, des petits... Et comme à chaque fois, on revoit les mêmes lieux, mais un peu plus tard, il s'est passé des choses entre. Quand Nook, elle passe dans la salle de bain, il y a le nounours qui est dans la machine à laver, puis quand Bartok repasse ensuite, il y a eu des catastrophes parce qu'ils ont mis de l'eau partout. Et c'est ça qui nous amusait, c'est de faire évoluer les situations, c'est de trouver des blagues en fait. Et alors moi, je faisais des petites blagues en dessin, je rajoutais d'autres blagues, ça c'était rigolo. Et des fois, elle me renvoyait des dessins et moi, je rajoutais encore d'autres blagues. Vous avez entendu? C'est bon. Oui, on entend très bien. J'ai perdu ton image, mais... Moi aussi, mais ça y est, voilà. Ah mince, bon. Alors là, j'entends, mais par contre, je n'ai pas entendu ce qui vient de se passer depuis 10 minutes, mais je suis sûre que Camille a très bien résumé. J'ai raconté un peu comment on avait fait. Après, on peut montrer les images, sinon on va peut-être montrer les images. Ouais.
Moi, je me demandais juste comment vous vous êtes réapproprié cette histoire par rapport au fait que tout à l'heure, justement, Lolita, tu nous disais que tu as commencé à dessiner parce que toi, tu avais envie de raconter une histoire. Et que là, en fait, du coup, l'histoire, l'idée vous est venue par l'éditeur. Et comment on s'approprie une histoire? Et puis après, bah, mais en fait, Camille a répondu un peu. Donc, si tu veux ajouter un petit peu là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé au début très intimidant, c'était de travailler avec Camille parce que j'avais quand même une admiration pour son travail et je la connaissais. Mais on ne se connaissait pas si bien que ça. Et en fait, ça a été une manière de se découvrir vraiment parce que rentrer dans le dessin de l'autre, c'est très intime, je trouve. Et donc, moi, j'avais un... Quand je recevais ces dessins, ça m'intimidait. Et en fait, à force de dessiner à partir de ces images, ça m'a appris énormément. Ça a été, je pense que ça a modifié ma manière de dessiner parce que en voyant la manière dont elle dessinait un arbre, un motif de rivière, et même sa manière, les petits personnages, elle les avait dessinés très rapidement comme ça, et moi, je devais les refaire plus détaillés. Mais le mouvement qu'elle mettait, l'énergie qu'il y avait dans ces personnages, la fantaisie, la tendresse et l'humour, ça m'a appris énormément. Ça m'a donné, je pense, comme un cours accéléré en fait, de dessin. Et s'approprier l'histoire, je ne sais pas, parce que l'histoire, elle était toute simple. C'était vraiment un cache-cache de nos deux personnages. C'était assez génial, je trouve, de prendre ces deux personnages de deux livres différents et de pouvoir les faire se rencontrer. Et en plus, moi, quand j'avais lu Les Vermeils de Camille, j'avais craqué sur ce personnage de Nook, la petite fille avec les oreilles de chat. Je la trouvais géniale et on avait envie de voir déjà... Moi, j'ai fermé Les Vermeils en me disant, je veux lire une histoire de Nook. Donc, quand l'éditeur m'a proposé ça, je me suis dit, mais c'est génial. Et après, on s'est approprié par l'humour, je pense, par le dessin. Vraiment, ça a été... C'est très inconscient, en fait. Il n'y a pas beaucoup de... C'est très spontané. D'accord. Vous voulez peut-être nous présenter un petit peu, justement, le travail en lui-même, en fait, à travers quelques diapos? Alors, en fait, là, ça, c'est une image. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Thomas Gabizon, c'était donc l'éditeur, l'idée, c'était de travailler autour de la famille. Donc, c'était une petite famille de taupes avec le père, la mère, les deux sœurs et le petit frère, Bartok. Et en fait, ce qu'on avait envie de faire, c'est qu'à chaque livre, il y a un âge différent. Donc, par exemple, là, c'est le grand livre, ça s'appelle L'échappée de Bartok Biloba. C'est l'histoire du petit frère qui, en fait, s'ennuie un peu dans sa famille. Il en a marre d'être coincé entre ses deux sœurs et les parents, et les histoires des parents, les histoires des sœurs. Il décide de partir et d'aller explorer la forêt, la rivière et de faire sa vie à lui, quoi. Et donc, c'est tout son... Comme ça, sa balade dans la forêt, les gens qu'il rencontre, les animaux. Et à la fin, quand même, il dit « Maintenant, j'ai envie de rentrer à la maison. » Parce que il retrouve sa famille. Et en fait... À chaque livre comme ça, là, c'est pour les 6 ans, je pense, ou 5, 6 ans, 4, 5, 6. Et il y a l'autre petit livre, le tout petit, c'est vraiment pour les premiers âges. La première lecture, c'est un livre de bruit. Et c'est Bartok, pareil, qui fait une sieste au bord de la rivière. Et tout le monde vient l'embêter, tout le monde vient faire du bruit. Les insectes, les grenouilles, il y a tout un tintamarre autour de lui, un gros barouf. Et Bartok essaye de dormir. Mais ça, c'est vraiment pour les tout petits enfants, les premières lectures. Et en fait, au fil des livres, on va monter en âge. Le prochain livre, c'est un grand livre de 150 pages, comme celui de Camille, Les Vermeils, en couleur aussi, une grosse BD, et ça parle des deux sœurs, et en fait, c'est pour les 10 ans, les enfants de 10 ans. Et celui avec Camille, ça vient entre tout ça, et c'est un jeu, en fait, une expérience de mélanger ces deux univers. Et donc là, on voit une image de Bartok, qui est le personnage de mes BD à moi. Après, il y a Nook, donc, qui vient des Vermeils. Je ne sais pas, Camille, si tu veux prendre le relais pour expliquer. Nook, oui, c'est un personnage des Vermeils. Alors, les Vermeils, c'est une histoire un peu fantastique dans un monde fantastique. C'est une petite fille, la petite fille blonde qu'on voit. Elle en a marre de sa famille, elle décide de s'enfuir. Et puis, elle arrive dans un monde merveilleux, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et elle rencontre tout un tas de personnages un peu étranges, parce qu'elle est un peu bizarre. Donc, elle n'est pas belle, parce qu'elle a des petites oreilles de chat, elle a une queue de chat, puis elle a une maman aussi qui a des petites oreilles de chat et une queue de chat. Et on aimait bien ce petit personnage, et on s'est dit, Bartok, il va inviter Nook, et ils vont jouer ensemble dans un livre. C'est marrant, parce que quand tu dis ça, maintenant, je réalise que c'est la même histoire de départ. C'est un enfant qui décide de partir, et puis de revenir. Mais... Oui, et de revenir, voilà. Voilà, là on voit Bartok qui écrit une lettre à Nook pour l'inviter à jouer avec lui.
Et après, bah, on voit toutes les étapes d'écriture. En fait, pour décider de ce qu'on va écrire, on doit se poser la question dans un livre, eh ben, combien il va y avoir de pages, combien il va y avoir de cases, est-ce que ça sera des cases qui seront grandes, est-ce que ça sera des cases qui seront petites, c'est toutes des choses, on doit se poser ces questions-là, et on fait plein d'essais, plein d'essais. C'est pour ça que vous voyez, là, j'ai dessiné, c'est vraiment très, très brouillon, c'est pas des dessins très jolis, c'est pas, je vais pas m'appliquer, ça sert à rien de m'appliquer pour faire ces dessins-là, puisque c'est juste pour essayer, voir est-ce que ça marche, est-ce que quand je dessine comme ça, eh bien, ça marche. Et puis, je fais plein d'essais. Et donc là, on voit la petite Nook qui entre dans la salle de bain, qui essaye de trouver une cachette. Elle veut se cacher dans la machine à laver, mais il y a déjà le nounours. Donc, elle passe par la fenêtre pour s'en aller. Donc, moi, j'envoie cette planche-là à Lolita. Et puis, elle, à partir de là, elle fait un crayonné. C'est-à-dire, elle fait le même dessin, mais avec plus de détails. Je ne sais pas si tu veux... Là, je rajoute, à partir du dessin de Camille ou... Elle a beau dire que ce n'est pas des jolis dessins, il y a quand même déjà un peu des blagues, il y a déjà de l'énergie dans le personnage. Moi, je redessine un peu plus précisément, donc je rajoute peut-être quelque chose qui va sortir du panier de linge sale, le détail sur la baignoire à côté du crocodile, il y a le capitaine Crochet, ça pourrait être une petite figurine, comme un Playmobil ou je ne sais pas, qui est posé sur la baignoire, comme dans les baignoires où il y a des enfants quand on leur joue autour. Et je rajoute des petits détails. Après, il y a le capitaine Crochet qui met en garde le crocodile, qui lève les pattes. Voilà, je rajoute des petits détails. Même après, je renvoie cette image à Camille. Et à partir de là, elle refait en couleur. Enfin, elle refait. Elle fait à sa manière. En fait, je reprends le dessin de Lolita. Je le redécalque même. C'est-à-dire que je redessine par-dessus son trait. Et c'est ça qui était drôle. C'était d'avoir... c'est pour ça que nos dessins sont vraiment mélangés, c'est que moi il y a des choses, je les aurais pas forcément dessinées comme ça, surtout dans la végétation, dans les arbres, dans la forêt. Lolita elle fait des tout petits détails pour chaque feuille, et moi j'aimais bien parce que ça me changeait ma manière de dessiner, ça m'apprenait à faire autrement aussi. Alors je redécalquais, mais pas avec un crayon de papier, mais avec un stylo noir cette fois, et puis en rajoutant de la couleur. Mais là j'ai laissé la place, il n'y a plus le personnage de nous, vous voyez, donc j'ai laissé la place pour qu'on puisse le rajouter après. Et donc après, Camille m'a envoyé cette image-là. Généralement, comme j'étais en confinement et que c'était horrible d'être confinée, isolée, je recevais ces images en couleur et ça me faisait un bonheur total de retrouver cette couleur et cette lumière. Et à partir de son image en couleur, je recherchais, moi, pareil, avec... En fait, on travaille... je ne sais pas si tu travailles toujours comme ça, Camille, mais moi, je travaille avec une table lumineuse. Donc en fait, on a... une espèce de planche avec une lumière dedans et on pose un dessin au crayon, par-dessus on pose une feuille blanche et on allume la lumière en dessous. Et en fait, sur la feuille blanche vide, on voit en transparence le crayon en dessous et on peut redessiner sur le crayon au stylo pour faire un beau dessin au stylo à la fin, d'après le brouillon qui est en dessous en transparence. Et c'est comme ça que Camille a fait les couleurs. Donc après, moi je recevais son image en couleur et je remettais sur ma table lumineuse. Et je réintégrais les personnages, je cherchais la bonne position. Parfois, je n'arrivais pas, donc je dessinais des trucs un peu bizarres à côté d'autres personnages et tout ça. Et j'ai envoyé à Camille le personnage, les deux personnages en noir et blanc qu'elle pouvait après réintégrer dans l'image. Et ensuite, on ajoutait les bulles de texte. Ça doit être impressionnant, enfin... Autant, j'imagine, Camille, que toi, tu es habituée à faire tes dessins d'abord en noir et blanc, au crayon, et ensuite à mettre de la couleur. Mais j'imagine que pour Lolita, le passage du noir et blanc à ces super couleurs, ça doit être assez surprenant, en fait. Ah, c'est assez génial, parce que oui, il y a une lumière, il y a une... Et je ne sais tellement pas travailler la matière comme elle le fait... C'est comme en fait, moi ça me donnait l'impression de faire du dessin animé quasiment. Pourtant l'image elle est pas animée, mais la couleur ça vibre tellement, ça met tellement de luminosité. Et voilà, ça crée quelque chose d'autre qui fait que quand je fais du noir et blanc, j'ai l'impression de faire de la gravure un peu. J'ai l'impression de faire du trait. C'est quelque chose de très. C'est une action que je répète tout le temps comme ça. C'est toujours en noir et blanc. Donc c'est comme une bulle. Et quand Camille m'envoyait ses couleurs, j'avais l'impression quasiment que mes personnages étaient dans un dessin animé qui prenait vie complètement. D'accord.
Alors, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres images à montrer ou si c'était... D'accord, si vous voulez continuer, en fait, tout simplement. Oui, c'est le même principe. D'accord, OK. C'est le même principe avec Bartok, en fait. C'est donc la petite taupe. Quand il cherche nous, qu'il arrive dans la forêt, Camille faisait ce petit dessin comme ça, très rapide. Et après, bah, je reprenais le dessin. Alors, moi, je me faisais plaisir aussi parce que comme on était confinés, j'avais envie de mettre du détail. J'avais envie de... quand même de mettre plein de petites choses. Ça aurait pu être définitif, d'ailleurs, ce genre de dessin. Il y a des BD qui existent au crayon, qui resteraient comme ça. Mais moi, j'avais, en fait, je savais que Camille allait les recevoir et j'avais envie de mettre des détails pour qu'elle soit surprise par des choses et qu'après, elle puisse rebondir. Et donc, elle recevait ça. Et puis, ça me gagnait un temps fou, puisque tous les... parce que quand même, entre mon dessin, où il n'y a quand même pratiquement aucun détail là, et celui-là, parce qu'on voit dans les arbres, il y a plein de petits personnages, toutes les chauves-souris. Et moi, j'avais plus qu'à leur décalquer ça. Donc, c'est vrai que c'était agréable de découvrir tous les. C'était un peu la chasse aux œufs, quoi. De découvrir tous les mini petites souris cachées, etc. Ça, c'était vraiment bien. C'est vrai que par exemple sur la case du milieu de Camille, bon, elle a mis l'ambiance qu'on souhaite avoir. Je suggère qu'il y ait des choses, mais je les dessine pas vraiment. Voilà, on sait que c'est un peu inquiétant, qu'on sent qu'il y a des personnages qui observent dans les arbres et que Bartok est tout petit dans cette grande forêt. Et donc moi, quand je me mets à dessiner moi à partir de là, je me dis qu'est-ce que je peux mettre. Alors je sais qu'en rajoutant des oiseaux ridicules et rigolos derrière Bartok, je sais que ça va faire rigoler Camille et que un petit poussin qui court après. Et voilà, c'est à partir de ces indications, en fait, ce serait presque comme un metteur en scène au théâtre qui dit. Qui donne une indication et après l'autre va jouer, va interpréter d'après ses indications. Et la phase de la couleur, voilà, après, l'étape d'après, donc la mise en couleur avec tout, c'est. Enfin, moi, à chaque fois, je suis émerveillée quand je les découvre. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais. Et moi, c'est mon truc, c'est la couleur beaucoup plus. Moi, je ne saurais pas faire des dessins au trait comme toi. Je ne saurais pas faire. Je ne sais pas gérer les. Les contrastes avec le noir et blanc. En tout cas, c'est très impressionnant. Hein. Ouais, très impressionnant et très réussi. À mon goût, en tout cas. très bien. Alors, du coup, la petite question subsidiaire que je pose souvent à ce moment-là, c'est est-ce que ça vous a donné envie de retravailler ensemble? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres aventures pour nous et Bartok, ou alors d'autres histoires que vous feriez ensemble en dehors de ces personnages, ou alors c'est voilà, peut-être, pourquoi pas. On s'est pas posé la question. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais en fait, moi, pour l'instant, on travaille toutes les deux sur des grosses BD, si on peut dire. Oui. Camille, elle fait sa prochaine, et c'est aussi encore une longue BD, et moi aussi. Oui. Mais moi, j'ai tellement aimé que vraiment, je pense que si ça devait se représenter, j'adorerais. En tout cas, ça m'a fait envie de. C'était la première fois que je travaillais comme ça, parce que les seules fois où je travaillais avec quelqu'un d'autre, moi, c'est quelqu'un qui fait le texte et moi, je fais le dessin, et c'est très séparé comme travail. On n'a pas beaucoup d'échanges, et je me suis dit que c'était beaucoup plus riche, là, comme manière de travailler. Et aussi, ça m'a enlevé les peurs que je pouvais avoir par rapport à ça, puisque d'habitude, je fais tout toute seule, et souvent, je refuse un peu de travailler avec quelqu'un, puisque j'ai peur de ne pas être à l'aise, et là, j'étais à l'aise, donc. Je sais que voilà. Après, je pense qu'il faut trouver la bonne personne avec qui. Oui, c'est ça. Je pense que là, l'éditeur, il est doué dans ça, c'est qu'il sait faire les associations. Et d'ailleurs, on a autour du livre, il y a deux expositions qui se montent, une au Festival BD de Colomiers ce week-end et une à Angoulême en janvier. Et c'est vraiment sur le processus du livre, mais c'est aussi autour de tout le travail de Camille et le mien. Et il crée des parallèles entre ce qui intéresse Camille, les thèmes, tout ce. Voilà, ce dont elle parle, la famille, le voyage, enfin, plein de choses. Et en fait, ils font des liens entre nos deux univers. Et c'est vrai que l'éditeur, il est doué pour ça. Il savait qu'on aurait des points communs. Peut-être dans la fantaisie aussi, ce qu'on a bien montré, les animaux, une forme de carnaval qu'on aime bien, autour de l'univers de l'enfance, des jeux, des contes. Et on a cet univers en commun. Et en tout cas, moi, je sais que normalement, il devrait y avoir d'autres livres sur ce même principe avec Bartok. C'est le début, en fait, d'autres collaborations. Ça fait... Peut-être avec Marc Boutavant. L'idée, c'est de faire d'autres collaborations comme ça, mais ça sera toujours des formats différents, mais ça sera à nouveau du dessin d'accord. À quatre mains.
C'est vrai que c'est plutôt bien trouvé, parce qu'en fait, on a tendance à associer souvent un auteur et un illustrateur. Mais c'est vrai qu'avoir deux illustrations qui viennent se croiser, du coup, c'est... Mais ça, ça existait, je crois, en bande dessinée avec des hommes qui avaient fait ça, Dupuis Berberian ou Rupert Émileau et tout. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient travaillé comme ça en dessinant toutes les deux. Souvent, c'est comme dit Camille... un scénariste et une illustratrice ou... Enfin... Très bien. Super. Du coup, là, vous êtes tous les deux sur des projets de toute façon plus volumineux, si j'ai bien compris. Et du coup, toujours à destination du jeune public, ou alors vous êtes sur des projets tournés vers... Moi, j'en ai un adulte et un jeunesse. D'accord. Et c'est pas... Et passer de l'un à l'autre, c'est pas un problème? Non, parce que j'ai toujours fait les deux. Donc, D'accord. Non, j'ai l'impression que je dis mettre la même énergie. Je ne sais pas comment dire. Je le fais dans le même état d'esprit d'une certaine manière. Camille, t'arrives à travailler sur tes projets et à faire à côté d'autres projets plus courts, entre guillemets. Moi, je n'arrive pas du tout. Je suis complètement obsessionnelle. C'est une chose à la fois. Après, je pense que c'est comme Camille, je mets la même énergie, la même manière de travailler pour la jeunesse ou pour l'adulte, mais c'est quand je suis sur un livre, c'est mon bébé, quoi. Je dois aller au bout de la gestation, de l'accouchement, et seulement après, j'arrive à faire autre chose, mais sinon... Moi, j'ai besoin, quand j'écris, de des fois le laisser de côté, un projet, pendant longtemps, et du coup, de faire autre chose, pour pouvoir ensuite... Avoir plus de recul pour le relire, et puisque c'est difficile de savoir si ce qu'on écrit c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'on regarde tout, on est toujours en train de regarder, de lire ce qu'on fait. Donc quand on lit nos blagues pendant plein de fois, au bout d'un moment elles ne nous font plus rire. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai besoin de plus les lire, de plus les regarder, de faire autre chose, et longtemps après les relire et regarder et voir si c'est bien ou pas. Et des fois, quand c'est comme ça, ça me gagne du temps parce que je me dis, ah, ça c'est bien, ça par contre c'est vraiment pas bien, il faut pas le faire. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs projets en même temps. Je sais pas si les enfants ils ont ça quand ils dessinent, les enfants qui nous regardent. Moi je sais que quand je dessine, je suis jamais contente de mon dessin, jamais. Mais maintenant j'ai appris, je suis pas contente, je le cache, je le range, et après je le reprends et je me dis, ah oui, en fait ça va. J'ai appris à gérer, en fait, j'ai compris que je fonctionnais en n'étant pas contente de moi au début. Et après, une fois que le dessin existe et que quelqu'un l'a lu ou quelqu'un l'a aimé, ça donne du sens. Après, moi, je vois ma fille, quand elle dessine, elle n'est jamais contente d'elle. Elle dit, c'est nul, je suis nulle. Et puis, alors que ses dessins sont géniaux et qu'on rêverait de dessiner. Elles ont la pression, là, quand même. Hein. Un peu, ouais. J'imagine que quand maman est illustratrice et qu'on l'admire, je suppose que ça doit être compliqué d'être satisfaite de ses dessins. Enfin, bon, après... Je sais pas comment le faire. Ah oui. Moi, ma fille, elle avait réglé le problème, c'est qu'elle dessinait jamais de personnages. C'était que des mécanismes et des labyrinthes, des choses comme ça. Puis maintenant, elle a 10 ans, mais elle commence à en faire. Mais pendant un moment, il n'y a pas d'histoire. C'est pas de personnage. Alors, du coup, on va peut-être effectivement laisser la parole aux enfants qui nous écoutent, s'ils ont des questions à vous poser. Donc, je ne sais pas, Myriam, Myriam, si vous voulez intervenir, on peut rallumer le micro et voir si vous avez des... Si les enfants, est-ce que les enfants ont des questions à poser ? Pour l'instant, on ne vous entend pas. Ah oui, je vois des mains qui se lèvent. Alors, qui c'est qui veut nous poser une question ? Alors, juste, est-ce que tu peux t'approcher un tout petit peu du micro parce qu'on n'entend pas trop et nous donner ton prénom ? Oui, il faudrait que tu te baisses un tout petit peu. Non. Alors,
Voilà. Est-ce que tu peux peut-être te présenter? J'ai entendu pourquoi l'avez-vous choisi, mais je n'ai pas entendu le début de la question. Oui, moi non plus, je n'ai pas le début, j'ai la fin, mais pas le début. Vous savez que la plupart des tops n'ont pas une très bonne vue. Pourquoi l'avez-vous choisi? Il me manque un petit mot. Il manque le ouais. Ouais. Tape la question. Est-ce que vous savez que le visage des taupes? Voilà. Oui, oui. Ah. Et ça vous savez que la plupart des taupes n'ont pas un très bon goût. Pourquoi l'avez-vous choisi? Vous savez que la plupart des taupes n'ont pas de très bons yeux, c'est ça? Oui. Oui. Pourquoi l'avez-vous choisi? C'est une bonne idée. Bravo. C'est vrai que les taupes. En fait, quand j'étais toute petite, je dessinais que des taupes. C'était mon obsession. Je dessinais toujours des petits animaux avec des petites taupes qui sortaient de leur terrier et justement qui ne voyaient rien. Et ils disaient « Où sont mes lunettes ?» Et il y avait toujours les lunettes à 1 mètre du terrier et la taupe ne les voyait jamais. Et quand j'ai fini ma grande BD sur le Vietnam, qui m'a pris 5 ans, et j'étais épuisée par ce travail et j'avais besoin de passer à autre chose, ma mère m'a dit « Mais pourquoi tu ne dessines pas tes petites taupes de quand tu étais petite ?» Et donc, j'ai écouté ma mère, parce qu'il faut toujours écouter sa mère. Et donc, je me suis remise à dessiner des taupes. Mais c'est vrai que c'est des animaux qui vivent dans le noir, qui ne sortent pas beaucoup, qui ne voient rien. Et en fait, j'ai dessiné des taupes, mais c'est plus l'image que j'avais de la taupe dans ma tête. Et en fait, ils ressemblent presque plus à des ours. Mais j'aimais bien l'idée d'un animal qui vit caché, qui vit sous terre, là où on ne sait pas qu'il est là, il nous observe, et c'est un petit animal un peu secret. Et en fait, c'était surtout parce que c'était l'animal que je dessinais enfant, et je pense que c'est une manière de parler de l'enfance, mais finalement, ma taupe ressemble quasiment plus à un ours. T'as entendu? Est-ce que tu peux nous répéter la question? Si je vous demande de vous choisir dans un endroit imaginaire, quel endroit vous allez choisir? Ah, t'as entendu, Camille? Si je vous demande de vous mettre dans un endroit imaginaire, quel est l'endroit que vous allez choisir? Oui. Ah. C'est ça. Oh. Moi, tu as une idée, Lolita? Oui, bah moi, si je dois me projeter dans un endroit imaginaire, c'est-à-dire j'imagine un endroit qui me fait rêver, ça serait ou au Vietnam ou au Japon, ou enfin, en tout cas dans un pays que je ne connais pas, parce que je pense qu'avec la pandémie et tout ce qui s'est passé, ça nous a enfermés chez nous et que j'ai besoin de voir le monde, en fait, de rencontrer les gens. Et c'est ce qui manque le plus, d'être enfermé sur soi. Et moi, je me projetterais dans une forêt en Asie ou dans des montagnes où il y a de la brume, marcher dans des rues, rencontrer des gens, ou dans tous les pays où vous êtes, pouvoir rencontrer des gens dans d'autres cultures et regarder ce qui se passe ailleurs. Parce qu'être enfermé chez soi, c'est assez dommage, quoi. Moi, du coup, j'ai plus pensé à quelque chose d'imaginaire, alors je serais plus de plonger dans un des livres d'entrer dans l'univers d'un des livres de mon enfance. Il y avait un livre que j'adorais avec toutes les maisons des animaux, la maison de la souris, la maison de l'écureuil, etc. Alors voilà, entrer dans un livre d'enfance. Quoi préférez-vous écrire dans votre... J'ai pas entendu. Pourquoi préférez-vous écrire des bandes dessinées? Ah. Pourquoi on écrit des bandes dessinées?
Oui, c'est ça? Ouais, je crois. Vas-y, Camille. Pourquoi on écrit des bandes dessinées? D'une certaine manière, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je crois que c'est ce qui me donne envie de vivre. Je veux dire, dans ma vie, ma passion, c'est de raconter des histoires et de dessiner. Et je crois que c'est ma manière de parler, en fait. Faire des bandes dessinées, c'est ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin. J'ai envie de raconter des histoires. C'est comme ça aussi que ça m'aide à comprendre le monde, à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qui arrive. Je crois que d'une certaine manière, je peux. C'est mon travail, mais je ne peux pas m'en passer. Voilà, exactement pareil. Où est le deuxième chat à la fin de la bande? Où est le deuxième chat? Oui. À la fin? À la fin du livre? Il y a un chat? Alors? Attends, j'ai pas lu. C'est quoi le deuxième chat? À quelle page? Ouais, je comprends pas non plus. Le chat, mais Nook, tu veux parler du petit chat Nook? Je sais pas si elle a entendu. Non. On ne sait pas. De quel chat parle-t-on? Moi, je n'ai pas compris la question, mais... Le deuxième ours, peut-être? Ah, c'est la tête des ours? Non, bah non. Pourquoi grand-mère, quoi? Effrayé. Pourquoi grand-mère est effrayée de ça? Oui. Tu veux répondre? En fait, la mamie, elle a. C'est les mamies qu'on aime bien utiliser pour un propre établissement. Qui ont, par exemple, une moustache qui s'applique. Donc, c'est la petite mamie qui fait des bisous à Nook et Bartok. Et en fait, ces bisous, ils chatouillent, ils piquent un peu. Donc, les enfants, ils fuient. Bartok et Nook, ils veulent surtout pas les bisous de mémé molle parce que c'est des bisous qui piquent. Et Camille, elle a rajouté des blagues en disant « Mémé molle, tu sens le vieux chausson anglais ». Ça, par exemple, c'est des blagues que Camille a rajoutées. Et voilà, enfin, c'était pour... Je sens très bon, toi. Pourquoi la fin de la bande est-elle ouverte? Pourquoi la fin de la bande est quoi? Ça a coupé. Oui. Pourquoi la fin de la bande est-elle ouverte? Ah! Pourquoi la fin de la bande dessinée est-elle ouverte? C'est-à-dire pourquoi ça finit sur une action, en fait, sur le loup, leur cours après? C'est ça, non? Oui, j'ai l'impression, oui. Bah, ça nous plaisait de commencer avec un jeu de cache-cache et de continuer avec un autre jeu. Maintenant, ils vont jouer au loup. Et en fait, on se dit que c'est pas obligé que les livres, il y ait vraiment un début d'une action et la fin d'une action. On trouve ça plus rigolo de faire entre les deux. Là, on a choisi juste de parler du cache-cache. Ils commencent un cache-cache, ils vont continuer avec un loup. Avez-vous joué à cache-cache? Oui. Oui, beaucoup. Et puis, moi, je joue encore à cache-cache parce que j'ai deux petites filles et je continue de jouer à cache-cache. Moi aussi. On n'a pas entendu. Où vous l'avez joué? Où est-ce qu'on a joué? Oui. À cache-cache?
Dans la maison, souvent dans mon appartement. Dans la maison. Quand j'en arrive, je me cache derrière les rideaux. Avec qui? Dans le placard. Est-ce que vous l'avez joué avec vos amis ou vos frères? Moi, j'avais pas de frères et sœurs, j'étais fille unique, alors je pouvais pas, mais j'avais des meilleurs amis et on jouait à café tout le temps. Et surtout au moment où nos parents voulaient qu'on rentre chez nous chacun, là on se cachait, puis ils nous trouvaient pas pour partir. Moi, j'ai beaucoup joué avec mon frère et ma sœur quand il y avait un grand jardin. Et je me rappelle une fois, je m'étais très bien cachée. Mon frère et ma sœur, ils m'avaient pas trouvée. Et ben, ils étaient remontés à la maison pour goûter, puis j'étais restée très longtemps dans la cachette. Est-ce que vous avez écrit d'autres bandes dessinées? Ah. Oui, on a écrit d'autres bandes dessinées, une fois pour les enfants et d'autres pour les grands. Alors, juste avant que tu poses la question, peut-être, simplement, on va peut-être faire une toute petite pause et passer la parole à l'autre classe, qui est la classe d'Anna. On va te laisser poser ta question quand même. Et puis, on reviendra vers vous s'il y a encore des questions après. D'accord? Comme ça, on alterne un petit peu pour que ce soit plus… que chacun, tout le monde puisse participer. D'accord? Donc, on prend ta question. Non. Bah, reviens. reviens. On va quand même prendre la question. Puis après, et si jamais il y a d'autres questions pour d'autres, on reviendra après. D'accord? Mais après cette question, on passera à la classe d'Anna. D'accord? Si ça va. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Ça a été un petit peu assez compliqué quand même. Je sais pas, attendez. Anna, si on va prendre la réponse, pourquoi vous avez choisi ce titre? C'est l'éditeur qui a eu l'idée en fait. Il voulait un titre qui exprime le jeu du cache-cache, qui parle du jeu que tous les enfants du monde connaissent. Et en même temps, ce qui l'intéressait lui, je pense, c'était derrière le premier sens, qui était le jeu, c'était de dire, c'est Camille et Lolita qui jouent à cache-cache. C'est-à-dire, c'est le dessin de Camille qui se cache dans le dessin de Lolita. Et c'est, c'est deux dessinatrices qui vont se chercher ensemble. Et c'est venu très rapidement. Enfin, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Camille. Mais... Non, bon, puis c'est aussi choisir les enfants quand ils comptent. Et puis avant d'aller chercher les autres, souvent ils disent ça, ils disent caché ou pas, j'arrive. Donc ça marche bien. Anna, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors on vous écoute. Il faut réactiver le micro. Il y a plusieurs de petits contes dans le livre. Et quelle est votre consigne préférée? Il y a plusieurs petits contes dans le livre. Quelle est votre consigne préférée? Ah, ok. Je suis bilingue. Je ne sais plus, moi. Ma consigne préférée, je pense que c'était « Ma petite est comme l'eau ». Je ne sais pas si c'est une consigne… Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. C'est l'histoire d'une petite fille qui court au bord d'un ruisseau. Et il y avait aussi, qu'est-ce qu'elle a donc fait la petite hirondelle? C'était une petite hirondelle qui avait mangé du grain et qui se fait taper dessus. Ça me terrorisait quand j'étais petite. C'était en gros le petit oiseau qui a volé des grains de maïs et en fait on lui donnait des petits coups de bâton. Je trouvais ça, les comptines, c'est toujours un peu mignon et effrayant à la fois. Oui, mais ça, nous, on ne connaît pas. Mais dans le livre, il y a quatre comptines avec lesquelles on a pu travailler. Et parmi ces quatre comptines, laquelle vous préférez? Alors, je ne sais pas lesquelles vous voyez. Il y a le vilain petit canard. Oui. Il y a le vilain petit canard. Il y a le bonhomme de pain d'épices. Après, il y a des choses qu'on a mélangées. Alors, je ne sais pas les quatre... Faudrait que vous nous disiez les quatre que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Il était un petit navire. Il y en a quatre. Moi, j'adore Amstrangram. Oui, j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime bien Amstrangram. Oui. J'avais oublié, à force. Et le petit navire, c'est joli aussi. Alors, bonjour. Et,
Ma question, c'est quelle était la source d'inspiration pour tout ça? La source d'inspiration. Quelle était? Je pense que c'est l'enfance. C'était, oui, c'était explorer l'enfance, explorer aussi, je pense que quand on est petit, justement, quand tu parles des cache-cache qu'on fait dans le jardin, il y a ce côté, voilà, le jardin de la maison, il est, on le connaît, on peut se cacher, on peut s'amuser à se faire peur, ça ne fait pas si peur parce qu'on sait qu'il y a les parents à côté. Et nous, on a voulu explorer la forêt, c'est-à-dire aller un peu plus loin, sortir de la protection des parents, et ça a été d'aller s'amuser à se faire peur un peu plus loin, au-delà du jardin, au-delà de la présence des parents, de la mamie. Ça a été aller tout seul dans la forêt. Bon, il y a quand même les grandes sœurs qui sont là, il y a quand même l'inspiration, ça a été nos souvenirs de jeux d'enfants. Merci à vous. Merci. Voilà, je pense que pour nous, c'est tout. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Anna. Merci à toute la classe d'avoir été là, d'avoir suivi et d'avoir participé. C'était très sympa. Il est presque l'heure de toute façon, mais est-ce que Myriam, vous avez encore quelques élèves qui souhaiteraient poser des questions? Ils sont mignons. Avez-vous inventé d'autres bandes dessinées ou d'autres contes pour enfants? Lesquels? Oui, moi j'ai inventé plusieurs livres pour enfants, parmi celui-là qui existe. Qui est depuis quelque temps, où c'est vraiment pour les tout petits enfants. Et ça parle de présenter les animaux. Des enfants qui jouent avec les animaux, ils font une ronde avec les animaux, ils font. C'est vraiment une histoire toute simple. Voilà, avec les animaux de la ferme, les animaux de la forêt. Mais j'en ai fait plusieurs des livres pour enfants, oui. J'adore ces livres, je les ai lus à ma fille, toute cette petite série de livres pour enfants, ils sont tellement beaux. Moi, j'ai fait un roman pour enfants qui s'appelle Les cendres de maman. C'est une petite fille dont la maman se fait enlever par un ramoneur et elle va dans un monde imaginaire pour récupérer sa maman. Elle la ramène à la maison. Et j'ai fait aussi une petite BD sur l'arrivée de mon petit frère, parce que j'ai eu un petit frère quand j'ai eu 25 ans. Donc, j'ai été fille unique jusqu'à 25 ans et après, j'ai décidé de raconter... l'arrivée de mon petit frère et comment on fait pour faire venir dans sa vie, accueillir dans sa vie un petit frère avec 25 ans d'écart. Donc, c'est des souvenirs d'enfance et les rapports que j'ai avec mon petit frère. Et j'ai fait cette bande dessinée sur le Vietnam, donc, qui raconte le statut des minorités ethniques au Vietnam. Et voilà. Excusez-moi, on va vous dire au revoir. C'est l'heure. On va vous dire au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, Anna. Il y a deux autres questions seulement. Pourquoi les personnages de bande dessinée sont-ils tous des animaux? Bah, ils ne sont pas toujours tous des animaux. Moi, des fois, je fais des personnages qui sont des humains, mais là, dans cette bande dessinée-là, on avait envie de faire des animaux. Les animaux, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de faire des personnages qui ont des caractères encore plus exagérés. Et c'est très agréable à dessiner les personnages animaux. Je trouve que c'est encore plus drôle. Pour leur faire les faire s'énerver, les faire jouer, voilà. Moi j'adore l'animal, j'adore les animaux en règle générale. Je crois que je suis entourée de tous les côtés d'animaux. J'aime ça, et c'est vrai que c'est entre guillemets comme une marionnette quand on le dessine.
on peut dire plein de choses sur les humains, les adultes, l'enfance, enfin sur nous en fait, mais avec cette marionnette qui est l'animal en fait. Et c'est facile de dire des choses sur nous, mais en parlant des soi-disant des animaux, mais en fait on parle des humains, hein, mais c'est des beaux personnages à faire bouger. Est-ce que vous êtes des amis ou seulement vous faites le même métier ? C'est mignon. Est-ce que quoi ? Est-ce que vous êtes des amis ou simplement des gens qui font le même métier ? Ah, c'est bien. C'est trop mignon. Bah, on est des amis maintenant, grâce à ça aussi. Bah oui. Oui, ça nous a, je pense, rapprochés. Après, on... Ouais. Bah oui, oui, oui. Est-ce que pour cette bande, il y a une version vidéo ? Est-ce que quoi ? Est-ce qu'il y a une version vidéo ? Le dessin animé. Non, mais ça serait génial. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas, on trouverait ça super, mais il n'y en a pas. Nous, on ne sait pas faire ça, c'est pas notre travail. Ça. Ouais. Pourquoi il n'y a pas un fin pour cette bande ? Il y a. Pourquoi il n'y a pas quoi ? Une fin. Pas de quoi ? Pas de fin ? Pas de fin. Bah, il y a pas de fin parce qu'on peut imaginer la suite en fait. Maintenant, ils vont jouer au loup. Et c'est, pour moi, les histoires, c'est des petits morceaux de vie. Et il n'y a pas de fin parce qu'ils continuent à vivre et à faire d'autres choses, en fait. Ouais. Ils sont mignons. Merci beaucoup à tous les enfants, à Myriam. Merci, 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 merci. Merci, vous aussi. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lolita, Camille, pour cette session très, très intéressante. Et puis, pour toutes ces réponses à toutes ces questions que l'on se pose sur votre travail un peu partout dans le monde. Donc, merci à tout à l'heure aussi, puisque nous, on se revoit un peu plus tard. Ouais. Juste, je vous préviens, j'ai oublié de le faire avant, mais quand on va couper la session, ça va se terminer de façon très brute et on fera chacun chez soi. Donc, je vous redis simplement à tout à l'heure. Et, merci. Beaucoup, merci. Bon appétit. Merci à vous aussi. À tout à l'heure. Bisous. Au revoir. Merci. Qu'est-ce qui coupe ? Au revoir. Au revoir, merci. Bye.